Comment valoriser la ressource de vos chantiers? Bonjour, je m'appelle Suzy. Je rencontre aujourd'hui Philippe, un maître d'ouvrage qui pilote des grands projets de déconstruction et de réhabilitation. Bonjour Philippe, alors comment s'organisent vos chantiers? Bonjour Suzy. Ici, nous sommes très attachés à la planification de nos chantiers. Cela nous permet d'anticiper la gestion des déchets et d'être en conformité réglementaire. Avec la loi de transition énergétique, 70% des déchets du BTP devront être valorisés d'ici 2020. Nous sommes conscients de notre impact sur l'environnement. Nous devons nous mobiliser pour une meilleure gestion des ressources. Comment parvenez-vous à intégrer cette ambition dans vos projets? C'est simple, Suzy. Nous utilisons la solution Batirim, qui nous accompagne sur toutes les étapes de nos chantiers. Cela nous permet de collaborer avec toutes les parties prenantes avant le début du chantier, pour anticiper les travaux et la déconstruction sélective en toute sécurité et traçabilité. Concrètement, comment ça se passe ? Batirim utilise un outil digital, le RIM. C'est le premier outil de modélisation de la ressource. Grâce à Batirim, vous pouvez modéliser sur des plans 2D ou 3D tout ce qui constitue votre bâtiment. Ainsi, vous visualisez l'ensemble des flux et pouvez qualifier ceux qui seront réemployés, réutilisés ou recyclés avec l'aide d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. La déconstruction devient sélective et collaborative. Batirim vous accompagne pour valoriser vos ressources et implémenter l'économie circulaire dans vos projets de déconstruction et de réhabilitation. Alors, vous attendez quoi pour révolutionner vos chantiers ?